Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un jouet pour chien en un rien de temps. Allez, c'est parti, on y va. Par trouver une balle de tennis. Pour cela, mettez-vous au-dessus d'un petit morceau de bois pour ne pas abîmer votre table. Puis, on perce en appuyant progressivement et on n'oublie pas de faire le trou de l'autre côté. Passons au corps du jouet. On va réaliser un Scooby-Doo à l'aide de morceaux de tissu. Commencez par les rassembler et faites un nœud bien serré. Séparez les morceaux de tissu deux par deux, comme sur les images. On forme deux boucles avec les morceaux opposés, ici ceux en 2 et 3. Puis on passe le morceau en 1 par-dessus le tissu initialement en 2 et dans la boucle de celui qui était en 3. On fait l'inverse avec le morceau en 4. Puis on serre bien fort. On recommence la même opération. Après avoir fait 8 fois le nœud de Scooby-Doo, on va insérer la balle de tennis. Pour cela, j'agrandis à l'aide de ciseaux les trous que j'ai précédemment faits. À l'aide de la pointe du ciseau, j'insère le tissu à travers la balle et ce, pour tous les morceaux. On sépare à nouveau les morceaux de tissu deux par deux et on fait 7 nœuds de Scooby-Doo. Pour terminer le jouet, il ne vous reste plus qu'à faire deux nœuds bien serrés. Votre jouet est prêt! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme pour les précédentes vidéos, tout est en barre d'infos. On se retrouve vendredi prochain pour une spéciale fête des mères. J'ai quelques idées cadeaux à vous montrer. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!